Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode de LEGO City Undercovers et on va attaquer une mission, on va aller à la ferme cette fois-ci, on va pouvoir débloquer le personnage du fermier qui nous donnera accès à tout ce qui est arrosage de plantes pour faire des parcours et tout ça, des passages, vous allez voir, c'est assez rigolo. McCain, à cause de vos pitreries, Sean a disparu de la casse, ce qui va rendre son arrestation beaucoup plus difficile. Mais je devais sauver... Je ne veux pas le savoir! Je vous transfère dans le service du shérif Huckleberry dans la forêt, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Il a besoin de notre aide pour résoudre une affaire? Ah, c'est peu probable. Sa circonscription a le taux de criminalité le plus bas de tout LEGO City. C'est pour ça que je vous y envoie, vous ne pourrez pas y causer de problème. Et l'enquête sur Fury? J'ai mis mon agent le plus décoré sur l'affaire, mon protégé. Je le considère comme le fils que je n'ai jamais eu et qui ne me ressemble en rien. Si quelqu'un peut obtenir des résultats, c'est bien lui. Eh bien, ça fait peur. C'est pour la police. Allez, c'est parti, on va faire le trajet en accéléré comme d'habitude. Allez, go. Elle va sûrement être un peu enfoncée. Je reviendrai plus tard pour faire le constat. Et voilà, on arrive. Chase, salut. Hey, Frank, t'as fait quoi, toi, pour te retrouver ici? Vous êtes sûr d'être un plombier qualifié, chéri? Bien sûr! Chéri! Bah rien! Eh ouais, shérif! Hein? Tu es fait comme un rat! Huckleberry a des ennuis. Là, il n'y a plus que toi et Frank, moi! Je passe par là. Toi, tu fais le tour par le côté. Alors, tiens-toi prêt! Et fais tes prières! Oh, pardon. Bonjour, Chase. Nous avions presque fini de répéter notre pièce. Le mec, il a tellement de boulot qu'il fait du théâtre. Encore cette écurie chelou. On occupe nos journées comme on peut, tu sais. Il se passe jamais rien par ici. Non, mais arrêtez. Salut. La porte de devant a été fermée. Du calme, Derek. Vous inquiétez pas, votre chef m'a prévenu de votre arrivée et je vous ai préparé une liste de tâches. Frank, ta mission serait d'assurer que nous ne manquions pas de café. Vous pouvez compter sur moi, shérif Huckleberry. Et toi, Chase?
J'ai cassé la machine à café. Derek, surveille tes manières. Non, c'était mérité. Oh, mais vous irez tous les deux rassembler les cochons du vieux Ace. Ils se sont échappés de sa ferme au sud d'ici. J'y serais bien allé. Mais ce soir, c'est la première et je connais pas encore bien tout mon texte. On s'en occupe. Viens, Chase. Allons voir les animaux. On ne va pas au zoo, Frank. Bon, plus vite on trouvera ces animaux et plus vite je pourrai retourner sur les traces de Rex. Hé, hey, regarde, des chevaux. On a le droit de monter dessus? Sans doute, oui. Tu sais monter à cheval? Ça dépend. Ils sont à boîte manuelle ou automatique? Tu ferais peut-être mieux de marcher. À plus tard! Allez, en avant. Chase! Mon cheval est bloqué en marche arrière! Et il a pas de tête! Et il a un drôle de postérieur! Tu es assis à l'envers, Frank. Oh! Mais c'est pour ça qu'il a pas aimé la pomme que je lui ai donnée! Merci, Chase! Oh non, il lui a pas mis la pomme dans le... Oh, le con. Plein de cochons. Ils sont beaux les cochons. Bon, ils sont un peu disciplinés. Hein. Indisciplinés. Ils conduisent des tracteurs et tout. Hein. C'est dingue. Bonjour monsieur. Ah, enfin, vous devez trouver mes cochons. Et c'est pour ça que je suis devenu policier? Ce sont des cochons de montagne, incroyablement rares. Ils vont me rendre fou, ces cochons. Sans blague. Pas de crainte à avoir, Chase McCain est là. Si quelqu'un peut retrouver vos cochons, c'est bien lui. Merci, chérie. Bon, il ne devrait pas être trop difficile à retrouver. C'est pas comme s'il pouvait voler. C'est des cochons. Non, mais il grimpe au mur. C'est des cochons Spider-Man. N'importe où. Quoi? Hein? Où? Je ferais mieux de rester ici. Au cas où il reviendrait. D'accord. Ouais, fais-toi discret. Dire que je devrais être sur les traces de Rex Fury. Vous devez ressembler à un fermier, ou ils s'enfuiront. J'ai une salopette et un chapeau que je peux vous prêter. Parfait. Merci. C'est ce que je mettais pour laver les cochons. Oh. Mais je les ai flanqués dans un placard parce qu'ils s'empestaient. Et j'ai enterré la clé dans un champ par sécurité. D'accord. Et maintenant, ils sont possédés. Prenez donc mon vieux tracteur pour déterrer la clé, si vous voulez. Mais il a peut-être besoin d'être réparé avant. Allez, allez. Je crois qu'il lui faut aussi de l'huile. Mais je ne sais plus où j'ai mis le bidon. Il faudrait que je suive mes traces de pas pour retrouver où je l'ai laissé. Je vais m'acheter une salade de fruits. Et hop, un bidon.
comme au premier jour. La clé est dans ce champ, après le chemin. Il va falloir la boue à le champ. Ouais, c'est pas bien. Il faut enlever les épis. Hey, Chase. J'ai appris qu'on t'avait envoyé chez mon oncle Duke. Ça se passe bien? Au lieu de chercher Rex, je cherche une clé pour accéder à des vêtements enfermés dans un placard à cause de leur odeur nauséabonde. Et tout ça pourquoi? Pour attraper des cochons. Oh! Tu devrais pouvoir utiliser ton scanner audio pour trouver les cochons, non? Merci. Voilà un conseil précieux. Je te rappelle plus tard. Merci du conseil, Ellie. Allez, on va vite ramener ça au fermier pour avoir le costume. Et hop, le costume de fermier. Il nous en restera plus que deux après. Le pompier et le mécano. Bon allez. Ah, ça va. Ils ne sentent pas si mauvais que ça. Ah, non, attends. Ah, ça en peste, en fait. Bon, il faut que je trouve ces cochons. Alors, vous disiez que vous avez vraiment vu un ovni ? Oh, que oui ! J'ai vu leur étrange lumière surnaturelle. Et je me suis fait aspirer dans leur soucoupe, où ils m'ont fait plein de choses bizarres. Oh, ouais, il y a vraiment des problèmes. Quel genre de choses? Ils m'ont sondé. Je veux dire qu'ils m'ont posé tout un tas de questions indiscrètes. Oh. Et puis ils ont mis une machine. La 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 la, j'entends rien. La 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 la, je vous entends toujours pas. La 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 la, rien, j'entends rien. Il est fou, ce mec. Avec le fermier, on a donc on peut faire pousser des plantes. Mais on peut aussi se servir d'une poule pour voler. Alors, où sont ces cochons? Ok, il y en a... Ouais. Ah putain, la poule elle sert aussi de canon, alors ça c'est n'importe quoi.
Je parie qu'il fallait que j'arrive par-dessus. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça marche pas. Putain de merde. Du coup, on a gagné le droit de refaire le parcours. On est content. Il chevauche des cochons, mec. Il est bon quand même. Alors, pas si facile à trouver, hein? Betsy, elle adore toujours faire des bêtises. Alors, le suivant. Allez, le suivant. Thank you.
qu'est-ce qu'on va déterrer? Un robinet. Pour le mettre ici. Allez, vas-y, canasson. Je sais pas si vous entendez un bruit de moto dehors, hein, ça foulait pas. Ça d'habiter en ville. Hein. Allez, le dernier. Bon travail! Filbert se crée toujours des ennuis, hein, Phil? T'es pas malin. Ah, et si vous cherchez votre gars, le Franck, il est allé au château. Il a dit qu'il avait entendu un grognement au loin. Une bois. C'est Jeanne d'Arc, le mec. Si reposant. Donc il était allé se foutre là-haut. Il y a des trucs à récupérer là. Quelques petites pièces. Petit bâton de dynamite, ça peut toujours servir. Et hop, un personnage de plus. Salut! J'ai entendu des grouillements venant de là-haut. Donc soit un des cochons est monté dans ce château, soit ceux qui y habitent ont de drôles de rires. Oui, 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 il est gentil, il est brave. C'est un bon petit. Fais bien attention en escaladant ce truc. Et si tu tombes, essaye d'atterrir sur quelque chose de mou. Ok, Franck, je viserai ta tête. Mais c'est vrai qu'elle est molle. Mon docteur dit que je devrais toujours porter un casque. Ton docteur, il t'a jamais dit qu'il fallait que tu changes de métier. Sombre con. T'avais raison, Franck. Il y a un cochon endormi ici. Youhou ! Et maintenant, comment je vais te redescendre d'ici, moi, hein ? T'inquiète. Bon, déjà, il va bouffer.
Alors, est-ce que ça va nous mener d'où ça? Non, mais attends, on va pas se barrer. Faut qu'on envoie le cochonus. Ah, un perso de plus. Ah, c'est... Bon, attends, il veut quoi? Deux fruits quelconques ou... Une pomme et une banane. Et je vais te la pondre où, moi, ta banane? Ils sont marrants. Hein. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'ils me demandent d'utiliser la poule? Parce que là, je vois chier, hein. Moi je pensais trouver la banane qui me manquait facilement. Pas la veine quand ça part mal comme ça. Autant arrêter tout de suite. Cet épisode qui dure un petit peu plus que les autres. Effectivement, il y a un peu plus de choses à faire. Le gros nul. Mais deux fois quoi. On va se faire une ellipse, hein.
C'est Nicolas, le jardinier. Merci. Allez, donne ta banane. Putain de connasse de poule qui a plus d'endurance au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il a ce débile encore? Allez hop, on pose le tout là-dedans. Allez mon gros. Et manger. Voilà, ça l'a réveillé. Et on met le cochon dans le canon. Pouf. Et on renvoie le cochon à la ferme. Et on le travaille. Je l'ai lancé avec un canon. Ah, ouais, c'est ça, et les cochons volent et les poules ont des dents. Oh, attends un peu. Eh oui. Et voilà. L'épisode qui se termine, on vient de ramener tous les petits cochons à son fermier et maintenant on va continuer notre mission. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao. Un Tyrannosaurus Rex ? Mais qui peut avoir envie de ça ? Mon acheteur privé. Mais crois-moi, c'est pas quelqu'un que tu voudrais rencontrer. Il commence à devenir vraiment... Oups, je ferais mieux de me taire. Appelle-moi quand tu l'auras sorti du musée. Pas de problème, Pini.